Saint-Pierre. Allez, on va voir le reste de la troupe. Robert et Thierry. On va récupérer Jean-Pierre. Et voilà. Il y a beaucoup de voitures, mais c'est la saison. Et Jacques, dans les premiers lacets. Jean-Pierre là-haut. Et nous allons tout là-bas au fond. On voit les derniers travers. Et le col, il est à peu près là derrière. Et voilà, biquet en pleine action. Je vais remonter un peu, je vais aller trouver les guenilles. Ça y est. Voilà les guenilles. Elles vont me faire un grand sourire en passant. Salut les guenilles. Ah, bonjour. Oh les voitures. On est arrivé là-haut. Le reste de la troupe est là-haut. Voilà. Et l'arrivée au col d'Alos. 800 mètres de dénivelé, d'Alos jusqu'à là. 850 mètres exactement. 1h35. Et je vais essayer de vous montrer l'endroit où on file. Je filme tout moi, j'évite les gens que je connais pas quand même. Voilà. On va monter là-haut. On arrête. Vous voyez ce petit sentier là qui monte là. Là. Là-bas, 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 là-bas. Et on débouche là. C'est là la baisse de Prégnier. Oui. J'ai mal aux fesses, sinon tout va bien. Royal. Bravo Biquet. Tu l'as fait. Le col malin, c'est plus un coup de feu de pédale. Bonsoir. Alors, arrivé au col d'Alos. Pour le goudron, c'est fini. Alors, prochain objectif, je vous montre. Alors, on va prendre le sentier qui part ici, qui fait un grand travers, tout là, et qui sort là. Je vais essayer de zoomer. Eric, il est où? Il est là. Tu vois qu'il passe le truc à vache? Oui, j'en ai passé un.